toute honnêteté, je ne vois pas quel délit, si venin soit-il, je pourrais avoir commis. Ce qui importe, c'est de savoir qui m'accuse. Il nous arrive constamment, dans notre milieu, d'évoquer toutes sortes d'affaires criminelles. J'en retiens les plus intéressantes, ce qui est tout à fait normal, en particulier lorsqu'il s'agit du neveu d'un vieil ami. Ce serait pourtant une belle revanche si je vous enlevais ces deux hommes. C'est facile. Et puis un soir, le juge d'instruction, après avoir travaillé à un rapport interminable et fallacieux sur mon compte, s'approcherait de ton lit et le trouverait vide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faut-il que je m'arrange toujours pour me mettre dans mon tort sans même avoir compris comment? Je ne vois pas la nécessité d'aborder ce sujet avec vous, monsieur Carr. Faites plutôt votre examen de conscience. Même les saints connaissent la tentation. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous êtes cinglé. C'est possible, après tout, ça expliquerait bien. Non, il faut rejeter cette idée, il faut s'en tenir au fait. Mais ce ne sont pas des données, ça, on est même loin. Vous ne faites que poser une question. Oui, mais c'est la base de tout. Si le cerveau électronique est incapable de répondre à ça, à qui se fie, alors? Comment osez-vous? Monsieur Kershi, vous n'êtes qu'un accusé comme ça. Vous êtes en train de vous humilier pour montrer son emprise. Mademoiselle Börsner! Laurent, foutez-moi le camp! Mademoiselle Börsner! Foutez-moi le camp et ne remettez plus les pieds chez moi! Qui tourne? Oui. Ne vous en faites pas, ça arrive presque à tout le monde quand on vient pour la première fois. C'est à cause de l'air. Monsieur le juge d'instruction a donné ses directives à haute voix. Et en termes clairs, aucun doute n'est permis. Mon arrestation, aussi bien que les conditions de cet interrogatoire, démontrent clairement l'existence d'une puissante organisation. On choisit n'importe qui, on l'accuse de n'importe quoi.